Solo le questo qua, 5-18. Guarda, sono asciutto. Se ce li chiedo, ovviamente... L'asta di oggi non ha avuto effetti sul mercato, il rendimento è aumentato, quindi siamo passati a un valore di 4,86, che è il livello più alto da novembre, però forse questo dato era stato scontato già dalla volatilità di ieri. Attendiamo anche le aste di domani, sicuramente lo spread non ha reagito più di tanto e si trova intorno a 518-520 basis point, quindi non c'è stata una direzione a favore o a sfavore, un giudizio negativo o positivo del mercato, ma era più un valore scontato di quello che è successo. 5-18. Sicuramente mantenere lo spread sotto determinati livelli fa bene come effetto mediatico, ma l'importante è poi quello che sta a livello di bilancio degli singoli stati e quella che sarà la crescita, logicamente, che ribadiamo l'elemento fondamentale, perché si può tagliare sempre le spese, ma se non c'è reddito, non c'è crescita, poi sicuramente il peso del bilancio pubblico, soprattutto nel caso italiano, si farà sentire. Encore une fois, je ne veux pas me mettre à la place des dirigeants ni du FESF, c'est plus tard, ni de la Banque Centrale Européenne, dont je respecte l'indépendance. Je dis simplement que cette dimension-là, c'est la dimension d'intervention sur les marchés, elle ne doit pas rester lettre morte et qu'elle ne peut pas être pour l'éternité de ligne dans les conclusions d'un Conseil européen. Il faut qu'on trouve les voies et moyens, les meilleurs instruments, les meilleurs mécanismes, les meilleurs canaux pour le mettre en œuvre de façon appropriée en fonction des situations concrètes auxquelles nous pouvons être confrontés dans les semaines et les mois qui viennent. Et donc, sur ce point-là, la réflexion opérationnelle puisse également avancer. Juin, la possibilité d'intervention sur les marchés. Je souhaite, moi, que nous mobilisions toute notre énergie, je dis bien toute notre énergie, pour faire en sorte que la zone euro soit totalement rassurée, pour rendre confiance. Je crois que c'est possible, et j'ajoute que c'est maintenant qu'il faut agir. Est-ce que vous avez parlé d'erreur? Non, j'ai dit que je voulais que l'été soit une période utile.